Alors ce matin, Laurent Fabius, qui venait de participer hier au Conseil de sécurité des Nations Unies à un débat sur la sécurité en Irak, a accueilli à Paris 150 réfugiés en provenance d'Irak, appartenant à plusieurs communautés persécutées par Daesh, 25 familles qui sont arrivées donc ce matin en France et qui ont été accueillies par leurs proches et leurs familles françaises. C'était un moment très émouvant, très fort. Il y avait des personnes de tous âges, de toutes catégories, et c'était un moment vraiment d'intense émotion. C'est la tradition de la France que d'accueillir les personnes qui sont persécutées, et en particulier en Irak aujourd'hui, où la situation des communautés est extrêmement dégradée, fragile et précaire.